Non, ici, c'est le plus petit, c'est vrai. Non, on a l'impression que c'est le plus petit dans le lot. C'est toi qui lui demande. Quand tu y allais, le plus petit, tu es sorcier. Non. Tu parles. Tu es sorcier. Qui t'a donné? T'as quoi? Elle est où? Ah, elle est ici. Aïe! Aïe! C'est qui? Où elle est? Où elle est? Je l'ai touché. Ah! C'est elle qui a donné. Comment? Vous, quand l'enfant vous dit que vous avez donné ça, c'est lui qui a clamé, applaudissez. Ça vous fait content pour ça? Vous dites applaudissez. Chez nous, c'est Nyeni, Nyeni. C'est Nyeni, 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 Nyeni. C'est ce qu'on appelle Nyeni, Nyeni. Nyeni, Nyeni. L'enfant est tout dit à applaudir. C'est Nyeni, Nyeni chez nous. Si grand-mère doit donner sorcellerie à l'enfant, il dit à applaudir. Chez nous, c'est Nyeni. Comment t'as donné sorcellerie? Hein? Vieux d'époque. Un enfant qui n'a pas menti. Ah, c'est toi. Je comprends pourquoi Dieu m'a beaucoup parlé de toi, la vie. Comment t'as donné ça? Elle veut déjeuner la nuit. Elle a dit quoi? Bon, mets en sorcellerie. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Elle m'a donné sang. Elle a eu des bois. Tu as bu. Et t'en as eu quoi encore? Bien de quoi? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué ton papa. Pourquoi? Pourquoi? Elle t'a pas dit pourquoi? Mais elle dit de tuer ton papa. Où il est ton papa? C'est toi. Et puis tes affaires. Je t'écoute, petit. Hein? Tu l'as attaché trois fois. J'ai mis de t'attraper. Tu t'es échappé trois fois. Oh, toi, bébé, viens ici. Tu t'as qu'à attacher, papa. Eh, s'il vous plaît, je n'aime pas cette manière de faire. Hein? Le vieux, il a quel problème? Le vieux. Il me dit pourquoi il a pris, pourquoi il parle. Oui, il a raison, mais il n'a qu'à savoir. Maintenant, là. Il n'a qu'à laisser seulement échanger de parler. Ouais. L'enfant vous voyez là, comme ça là, il ne peut pas mentir si elle. Or moi, déjà, c'est une confirmation. Amen. Déjà la nuit, Dieu m'a parlé de toi. De ta sorcellerie. Tu l'as attaché. Comment tu fais pour attacher papa? Tu es dans la maison, oui. Vous appelez ton âme, oui. Qui s'est venu, t'as mis le code sur lui. Trois fois. Mais pourquoi tu n'as pas reçu la mission? Tu l'as attaché trois fois. Il s'est défait comment? Hein? Il est perdu. Le cabri est perdu, il est dans la nature. C'est comme tu as attaché ton cabri tout le matin, tu ne le vois plus. Tu as coupé le col. Et ils t'ont dit de faire quoi encore? C'est maman là qui parle. La grand-mère. Elle t'envoie en mission. Vous voulez quand vous êtes, madame? Vous voulez quand vous êtes? Oui, ma prophète, pardon. Oui, prophète. Je suis prophète.
Oui, prophète. Seulement là, je suis plus grand que toi spirituellement. Amen. Non, je ne suis pas monsieur ici. C'est là-bas à l'école on appelle les gens monsieur. Il ne faut pas changer mon nom. Je suis prophète, je suis fier d'être prophète. Amen. Je suis un messager de Dieu. Je suis venu pour vous détruire les sorciers. C'est ma mission sur la terre. Voilà, donc il faut bien me dire prophète. Et mon travail, c'est de vous détruire. Vous voulez que je vous aide? Oui. C'est ce que tu as dit, Rose. Avant que le petit ne parle, moi, j'avais déjà ton dossier. C'est pas le plus petit qui sont venus de demander. Ah, ils ont ramassé tous les petits bébés. Tous les petits sont sortis. Oui, oui. Les derniers pour faire quoi? D'enlever ce sorcier sur moi. Tu reconnais alors? Je ne connais pas, mais comme. Ah non. Je ne connais pas, mais de toute façon, les enfants me disent là. Non, mais l'enfant ne peut pas venir mentir sur toi. Mon prophète. Non, mamie, moi-même là. Je t'ai dit, Dieu m'a parlé de toi. Comment ça, ça, j'ai dit d'enlever sorcier. Ah, mais tu dis, tu ne crois pas ça. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un est malade, il veut couper à l'hôpital. Toi, aller. Non. Quelqu'un qui n'est pas malade, il ne cherche pas un docteur. Quelqu'un qui n'est pas malade, il ne peut pas aller à l'hôpital. Mon prophète, enlever sorcier sur moi. Oui, mais la question je pose, tu reconnais ça au moins pour qu'il enlève? Les enfants. Les enfants. Sur moi. C'est madame, si vous arrivez sur le sur ce terrain-là, moi je vous fais tomber tout de suite. Je les enlever plus, toi, maman, s'affronter. Ah, oui. Vous aimez bien jurer, vous êtes allé sur le terrain de jurer. Tu sais ce qu'on appelle? Tu dis si c'est moi qui ai donné, t'en as tué par un nom. C'est moi qui vas affronter. Bah, il était le premier à dire tes sorciers. C'est pas eux. Faut les laisser même. Laisse les enfants. Martin, là, qui a dit des sorciers? Moi, je viens de te dire ça. Hier, il a dit ça. Non, laisse en faire des enfants. Si tu veux parler sur ce terrain-là, tu viens me dire. Je ne connais pas ce que tu as dit. Je ne suis pas sorcier. Dis-moi, je te fais ce qu'il peut faire. Je te rends avec Martin, là, tu vas comprendre. Tu ne crois pas ça? Je crois. Il est cassé tes yeux, tu chuites. Tu as tombé, tu as bavé comme épilepsie. Tu ne crois pas ça? Je suis prêt maintenant, là. Je suis en treillis spirituel. Je suis en treillis. Laisse faire l'enfant. Toi et moi, on s'affronte. C'est bon, l'enfant, toi, maintenant, les enfants disent, quel est l'enfant qui dit? Madame, on fait quoi votre dossier? On règle ça comment? Mon prophète, je ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas? Je ne sais donc, pas comment pas... dire. Ah. Donc, oui. Tu ne sais pas comment on dit, ça veut dire quoi? Hein? Il n'a qu'à régler à ma manière. Non, je suis venu chez toi. S'il y a malaise, si moi, tu fais un. Ah, si malaise, tu ne reconnais pas. Il n'y en a pas. Si il y a ta gueule, tu dis non, c'est bon, ça n'a qu'à régler sur moi, je ne suis pas. Je t'ai dit, tu es sorcière. On fait comment? D'enlever sur toi. Comment? Va t'asseoir là-bas. C'est pour ça qu'il enlève. Où il enlève les gens là, c'est là-bas. Va t'asseoir. Tu déménages. C'est comme ça. Madame, matin là, faut pas. Je suis trop entré matin là. Voilà. C'est le laboratoire, c'est pour les malades. Ceux qui sont malades qui ont ça. C'est moi les mains. Là, t'as trop gâté les choses. Ah, non, attention, hein. J'ai prévu ces yeux, matin, il va regarder, il voit pas clair. Je suis trop prêt. Je suis trop prêt, c'était. Une journée où on peut aller sortir, cette journée-là, non. Tu as venu parler des enfants, je n'ai jamais des enfants. Moi-même, j'ai dit. Moi-même, j'ai dit. Je n'ai pas fait des enfants. Quand tu parlais, comme tu l'es moins, tu as l'insulté, je dis, moi-même, là, j'ai dit. Pour te soigner. Un sorcellerie, c'est une bonne chose. Je ne vais pas te laisser partir, ça. Pour t'aller faire sauce là-bas, manger les gens. Pour manger sauce graine. Vous êtes tous sorciers. Petit, tu veux laisser sorcellerie? Tu veux laisser? C'est mamie là qui t'a donné ça. Oui. Comment elle a fait? Elle t'a donné viande.
Tu as mangé. De donner bon chou à vos enfants, c'est des... On appelle ça gnéni, gnéni, gnéni. C'est gnéni, gnéni. Tu prends papier, les donner aux enfants, c'est gnéni, gnéni, vous donnez aux enfants. Vous apprenez aux enfants comme on tue l'homme. Comment ça envoie pas l'attacher l'homme? C'est gnéni, gnéni, gnéni. Va t'asseoir, on va faire ta développe, tu chutes. Monsieur, tu as fini, on a fini à toi? Oui. Non. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il reste? Oui. Bah, il reste pour mon frère. Oui. Que ma grand-mère m'a envoyé d'aller lui détruire. Alors maintenant, va dire non, tu ne connais pas ça. Vous voulez le bouger ça aussi. J'ai dit, si tu as détruit maman, c'est que tu vas détruire tout autour de toi. Les bouches là, ça les tue. Où on veut les sauver et ils s'enfoncent. Or, les plus grands jureurs, c'est les sorciers. Pour ça, je disais à la dame tout à l'heure, si elle veut rentrer sur le terrain de jurer, et la rende avec tout de suite. Pendant que tu lèves ta main en l'air, tu deviens avec là. Je suis trop prématin là. Non, moi aujourd'hui là, s'il vous plaît, laissez-moi là tuer vos sorciers aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui là seulement, je suis en train de marcher. Il y a plus de 17 étoiles. Amen. Oui. Donc, ma grand-mère m'a envoyé. Madame, vous ne croyez pas? Non, je ne suis pas avec vous. Non, tu es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Tu sais qu'on va se séparer. Tu n'es pas avec moi, comment? Je suis assise. Oui, mais tu fais ta tête, quand tu ne crois pas? Non. Oh, je vais te demander quelque chose. Il y a eu des faits expérientiels. Pourquoi non? Il y a des gens qui sont comme cobayes. Faut les montrer aux gens. Comment tu es plus sorcier? Je vais te prendre, je vais montrer, faire expérience. Tu es d'accord avec ça? Non. Tu es d'accord? Non. Comme ça, on va dans le témoignage. Non. Tu as tombé ici, tu as bavé comme un épilepsie. Je te fais ça tout de suite. Tu es d'accord avec ça? Non. Donc, tu veux qu'on t'enlève ça? Tu veux qu'on t'enlève ça? Oui. Sorcellerie, là. Tu te lèves, tu fais ta bouche. Arrêtez ça. Hein? Non, 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 n'êtes pas dedans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous mangez ensemble ou bien? Vous pas de sorcellerie ou vous voulez défendre? Vous voulez défendre qui? Je ne veux pas défendre. Voilà, donc doucement, laisse-moi faire mon travail. Oui, petit, tu as fait quoi? Aujourd'hui, les choses trahies. Doucement, hein, moi. Je ne suis pas là pour jouer. Manger les gens, gâter leur vie, vous les paralyser, vous ne pouvez plus avancer. Vous ne pensez même pas aux enfants des gens. Les sorciers. Allons-y. Donc okay, elle m'a envoyé de mettre esprit de dispute, oui, entre lui et sa femme. Oui. Qui se sépare. Qui se sépare. Mmh. Comment t'as arrivé pour faire ça? Il en fera, il fait sorcier. Ou bien ça s'arrête, ça va faire sorcier. Un petit béni sorcier. Oui, allons-y. Une flèche. Toi, t'es un flécheur. Ouais, elle dit, elle utilise beaucoup la flèche. Comment tu as fait? J'étais allé là-bas. Ouais. Souvent, je vais passer les vacances chez lui. Ouais. Et après, c'est le soir. Il a pris son âme à retirer. Ça a pris son âme. T'as tiré. L'un me dit, enfin, on a qu'à faire l'effort pour comprendre son principe. Non, les villageois, non, français ici. T'as pris flèche. Tu t'as fléché, c'est ça? Comment t'as fait? Montre comment tu peux te flécher. Tu tues les gens. Ils disent que les mains en haut. On ne sait jamais. Il avait déclenché boum. Un bébé sorti, c'est qu'il est bon sorcier. Tu es à Paris, les gens cherchent à je fais aussi, toi tu es sorcier.
Oui, tu fais comment, t'as gâté. Ah, entre... Non, parce que ce ne sont pas encore séparés. Hein. Mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas du tout. Ok. Vous voyez, donc souvent il y a des gens. Non, les sorciers peuvent diviser un couple, c'est ça? C'est possible. Oui, c'est possible. Ok. Ok, là tu t'attends ta femme. Un moment, vous ne vous attendez plus. Palave. Pourtant tu lèves. Tu ne comprends pas. Qu'elle parle, c'est caca dans tes oreilles. Ça t'énerve. Enfin, des gens, t'as mis des giflées. Oh, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc, on n'est pas à l'abri. Souvent, il y a des choses qui sont spirituelles. Quand vous voyez une affaire, bon, au départ, en train de se gâter, comprenez qu'il y a une main qui est rentrée dedans. Qui cherche à régler ça. Cherche à régler ça. Oui. Après, il avait du mal à trouver du travail. Il a fait tuer les gens. Non. Quand tu dis qu'il avait du mal à trouver du travail, qui a fait qu'il ne trouve pas du travail? Ah, c'est moi. C'est moi. Ah. Comment tu as fait? J'ai fait un propos de son CV. Ton CV, ok. Quand je donne le CV directement, c'est pas toujours possible. Quand il donne le truc dans le CV, c'est le CV. Après, c'est autre chose qui est dans sa main. Ouais, c'est ça. C'est pas la personne qu'elle doit déjà. Que tu rentres dans ce bureau, tu discutes, mais après, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait sur le CV? Sur le CV, j'ai mis. Le micro de ma soeur? Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu peux? Tu peux? Vas-y, tu peux. Oui. Le son, on a besoin du son. Quand un homme comme moi arrive sur Paris, il faut vous trembler. Vous êtes crassé, vous faites peur. Ok, mais j'arrive. J'arrive. Moi, mon ministère n'est pas fait pour Paris. C'est pour faire pour l'Afrique. Moi, l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Amen. Mon ministère est fait pour l'Afrique. Mais j'arrive là-bas. Dans quelques jours. Amen. Les pasteurs qui ont des églises, bizarre, 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 ça va se fermer. Ça peut les empêcher de moi. D'ailleurs, dénoncer tout. Je suis à la réponse, je commence déjà à vous attaquer. Je ne peux pas me maîtriser ma bouche. Je commence à vous attaquer. Je vais poser un prophétique, vous fermez vos églises à Paris. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous voulez combattre moi. Du coup, on m'appelle pour dire, tes pasteurs ne veulent pas te voir ici, on ne comprend pas. Je dis, mais il est sorcier. Il ne comprend pas quoi. Il est sorcier. Celui qui me combat, il est sorcier. Qu'est-ce que moi j'ai à faire à lui? Pourquoi du coup il me combat? Comprenez sa position, c'est un sorcier. Dans tout le monde, là, c'est moi qui combat. C'est pas tout le monde en Paris. Pourquoi moi, il me combat? J'ai quoi à faire à lui? Allons-y, petit. Donc. Ok. Donc dans son CV, j'ai parlé. Le CV, oui. J'ai pas dit quelque chose spécialement dedans, j'ai juste parlé. Tu as parlé pour bloquer le CV. Voilà, c'est ça. Donc quand il part avec le CV pour demander emploi, voilà. On annule ça. Oui, c'est ça. Okay. Tu as fait quoi encore? Oui, j'ai tué des gens. Des gens t'as tué. Oui. Tel que. Ah, déjà, Wilfried. Wilfried, c'est qui? C'est un ami avec qui nous jouons au foot. Au foot? Oui. En France? Oui, en France. Vous comprenez? Un bandit sorcier. Allons-y. Wilfried, Agnès. Comment tu as tué Wilfried? Il est de ta famille? Non, il n'est pas de ma famille. Et comment tu l'as tué? C'est parce qu'on avait mangé, on s'était couché. Oui. Parce que souvent, c'est comme si on est en France et on joue. Oui. Dans la France, et souvent. C'est bon. On joue. On était allé dans un parc, on avait fini de manger. Oui. On s'est couché. Vous êtes reposé dans le parc? Oui, dans le parc. Ça. Et après, je suis allé dans le spirituel, après j'ai tiré. Tu as tiré sur lui? J'ai tiré. La flèche? Oui, toujours. Et tu l'as mangé? Oui, je l'ai transformé d'abord. Yeah. Transformé en quoi? En mouton. En mouton. Un pédis sorcier. Ok, alors? Après, il y a eu Agnès. Agnès? Agnès, c'était la même chose aussi. Je vous ai bien dit, vous ne maîtrisez pas quelqu'un, n'allez pas faire sieste à la personne. Je vous ai bien dit.
le petit Dieu, il allait faire se reposer et après son âme, il allait manger. Maintenant, il n'a pas fait que question de nom, c'est même famille. Non, j'en fiche de ça. La science, vous voyez, la technologie est évolutive. La sorcellerie est une science, elle aussi est évolutive. Allons-y. Il y a eu Agnès. Agnès, c'est qui? C'est une fille aussi, c'est une amie. Oui. Elle s'était par étouffement. Étouffement, oui, tu as fait comment? Donnement spirituel aussi. C'est la même chose. S'il vous plaît, on suit ici. Oui. C'est la même chose. On était touché. Oui. On était touché. Après, dans le monde spirituel, j'ai appris son âme. Couché, la même chose comme Wilfried, on allait se manger. Ouais. Après, on allait se coucher sous la blouse. Après, j'ai appris son âme. Et après, par l'étouffement. Ok. Quand tu dis étouffement, elle est couchée, puis elle est morte. Elle est étouffée. Dans le monde spirituel, c'est par le dos, comme ça, je la prends et je l'étouffe. Tu l'étouffes comme ça. Voilà. Par le dos. C'est terrible, hein? Tu as tué qui encore? J'ai tué Margot. C'est qui ça? C'est une amie aussi. Une amie, ok. Je la connaissais depuis. On suit ici, s'il vous plaît. Oui, tu la connaissais depuis? Je la connaissais depuis. Oui, elle, c'était. Je la fais.